Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du mardi 8, enregistrée le mardi 8. On va essayer de voir un petit peu si on trouve du monde sur les maps. Personnellement, j'y crois pas trop, à mon avis, il va y avoir personne, mais on va voir. On va aller faire chier les gens, hop, let's go, 2-6 et tout. Le débat du jour va concerner cet événement carnaval. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de l'événement carnaval? Est-ce que vous l'avez trouvé fun ou pas? Moi personnellement, j'ai trouvé nul à chier. Après, chacun son avis. Moi, j'ai trouvé nul à chier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de réducts GG. Donc, ça, c'est bien pour tous les gens qui manquaient des drones, etc. Ok. Mais il n'y a eu aucune partie où il y avait la possibilité de faire des événements. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus de Spaceball que ça. Il n'y avait pas un nouveau jeu qu'ils ont sorti. Les bonus box étaient. Il faut le dire, ce qui est nul à chier. C'était le cas. Bonus box, c'était juste nul à chier. T'es mort comment, toi? Ah, tu t'es mis en fufu. Ah, ok. D'accord. Non, il est mort par le cubi. Ah, ouais, c'est une autre histoire. Il est... Non. Je m'en fous, là, de ça. Ok. Donc, les gens vont crever par le cubi, maintenant? C'est nouveau. Ok, c'est plutôt fun. Donc, du coup, ouais. Pas d'événement de ouf. Oh, yes. Enfin, c'était un peu chiant parce qu'il n'y avait pas de fight plus que ça, il n'y avait pas plus de sorties que ça sur les maps. Les bonus box, comme je disais, n'étaient pas ouf. Ils nous ont sorti des nouveaux drones, voilà, que vous pouvez voir juste ici. Voilà les nouveaux drones. Hein. Ils ont sorti les designs de drones, pardon, ils ne donnent pas de faculté spéciale. Et ils ont sorti aussi une nouvelle couleur de Rex. Alors je ne l'ai pas prise parce que j'ai pas envie d'être un pigeon. Et puis surtout que le Rex de base a une jolie couleur, je trouve. Donc il n'y a pas besoin de vraiment changer. Ils l'ont mis en vert, si je dis pas de conneries. Orange et Ice, il me semble, quelque chose comme ça. Il est disponible uniquement en paiement. Voilà, ça vous apporte rien de plus. C'est aussi qu'un design pour customiser votre pet. C'est la nouvelle mode en ce moment. On met de la customisation partout. C'est ce que je reproche à Deo. Ils ont fait tout un post début janvier pour dire oui, nous avons fait en sorte de nettoyer les bottes. Il n'y en aura plus sur les maps. Nous allons faire en sorte aussi que le jeu devienne un peu plus... free to play, c'est dans ce sens-là que nous voulons l'orienter. Et pour l'instant, ils nous mettent des designs de drones, des designs de pets, ils nous mettent pas de nouveaux jeux, leur événement carnaval, nul à chier. Enfin, c'est pas cohérent en fait. Je pense qu'ils ont fait la GG Keeper, ça a été leur donation de ces 8 dernières années de DO, c'était la GG Keeper avec le nombre d'énergie qu'on a eu. Parce que je pense que là, ils ont craqué la réserve d'énergie supplémentaire pour 8 ans, quoi, parce que là franchement il y a vraiment plus rien maintenant. Les événements, il n'y a plus aucune chose qui est bien. La UBA, il n'y a qu'une personne qui peut gagner les designs de drones, donc c'est pas ouf. Il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence, pas beaucoup de gens qui ont envie d'y jouer plus que ça. Donc ouais, c'est un peu dommage. Je suis un peu attristé de voir ce que Deo est en train de devenir, parce que on y a cru pendant un moment, au mois de janvier, enfin décembre janvier, quand ils ont mis le fameux post en anglais pour dire qu'ils voulaient vraiment orienter le jeu vers un système de free-to-play. Et aujourd'hui, malheureusement, ben, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau-là. C'est dommage, Deo aurait mieux fait d'essayer de s'investir là-dedans et d'orienter le jeu, mais visiblement, ils ne sont pas d'accord. Donc tu es encore là, toi. Donc toi, tu as vraiment décidé de casser les couilles à tout le monde, c'est ça? Par contre, tu prends pas tes trucs, d'accord? Why not, hein? C'est fun quand même un Aegis, hein. Moi je le trouve fun. C'est très très fun. Donc tu vas te réparer, ok. Bon, tu m'appelles quand même le jour où tu prends un fight, mon pote, hein. Hein? On s'appelle? Hein, Astérix? On se file un petit coup de fil, un petit rendez-vous. Hein? C'est triste, hein. JP15. Waouh, mais qu'est-ce qu'il est fou, lui. Ce fighter de portail. Oh là là. On n'en peut plus de lui, hein. Il est génial, hein. Il est beau, hein. Franchement, il est... Attends. Allez, là! Dans ta gueule! T'as pas eu le temps de jumper, hein? Tu l'as pris, le Camille, t'as rien compris! Voilà. Oh là là là. Ce Astérix me fera toujours rire. Tu veux revenir? Vraiment? Tu veux vraiment revenir?
Allez. Non? Ça te dit pas? Regardez-moi ça. Eh, ce joueur me fait trop rire, hein, franchement. Waouh. Mais t'es trop fort, Astérix! Mais dis-moi! Tu m'enverras une carte postale quand tu seras tout en haut du classement et que tu te feras chier, hein. Tu me le diras, hein. Ou au jour où tu prendras du fun sur le jeu, tu me le diras. Parce que là. Là, je sèche un peu. Donc voilà, à peu près. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, honnêtement. Oh! Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que ça finissait pas. C'est un peu chiant là, le mode écran, le plein écran. J'ai déjà dit que oui, je voulais rester en plein écran. Qu'est-ce que tu veux prendre une faille, Astérix, ça y est? T'as tes couilles qui ont poussé, t'as fait quelque chose? Est-ce que tes couilles ont poussé pendant le week-end? Qu'est-ce qui se passe? Réellement, tu prends la fight? Mais pourquoi tu te diriges vers le portail et reste avec moi? Mais pourquoi? Ce gars se dirige instinctivement vers le portail. On dirait que le mec, il a un souci avec le portail. Bon, allez, je vais arrêter de fight avec lui, ça sert à rien. Hein. Bravo, t'as pété mon Rex! Ah, t'es trop fort! Elle doit être triste ta vie quand même, Astérix. Hein, parce que si t'as été victimisé comme ça toute ta vie, ça doit être dur. Hein. Oh. Franchement, ça me ferait chier, moi. Que là, franchement, pour un compte avec autant de muni, autant d'uri et se faire chier comme ça, à faire du cubi toute la journée, ouais, hein, c'est pas mal, hein. Voilà, on va jumper, on va retourner en 2-6. Non, 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 pas de NPC, non, putain, mais c'est affreux ça aussi, à ta gueule. On va jumper, on va retourner en 2-6, voir s'il y a toujours nos amis qui se font péter par les QB tout seuls. Ça pourrait être magnifique, ce casque me donne mal aux oreilles, les amis. Je sais que vous vous en branlez, mais il me donne mal aux oreilles. Est-ce qu'on peut trouver du monde là? En même temps, c'est mardi, hein. Jour de congé. Formi. Mais. Il y a un gars qui fait des QB? Oh, il vient de le finir. Ok. Wouah! Oh la chips! Putain, les anges, ils recrutent vraiment n'importe qui maintenant. C'était quoi son pseudo? Il n'y a pas son pseudo. Ah si, je dois l'avoir comme ça. Baril d'essence. Oh, pas mal. Baril d'essence. Très bien. Donc, tu as explosé. Trop d'essence, j'ai été l'allumette. Je t'ai allumé, tu as pété. Pas mal le pseudo, pas mal, pas mal. Donc, c'est que tu sais que tu es amené à péter avec un pseudo comme ça. Non! Ah merde, je suis sur ma tank. Oh, je me dis depuis tout à l'heure, je vais pas vite. Oh le con. Ah merde. Sérieux, tu veux fight avec ton petit vengeance de mort là? Bah, tu veux pas aller au portail? Sérieusement? Et la gelante, elle compte faire son effet un jour ou pas? Non, parce que c'est un peu chiant. Salut toi! Ça va? Est-ce que tu prends du fun sur le jeu? Est-ce que tu t'éclates? Merci, ton cubi en était où? Ouais, ça vaut pas le coup. En plus, il n'y a même pas de gens dans le chat. Merde, je croyais que c'était le vengeance. Oh la loose! Bon, bah écoutez, on aura croisé Astérix, on l'aura pété au portail, ça a refait ma journée. Je suis content. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces événements de carnaval, de ces designs, etc. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pensez qu'un jour Déo va s'orienter vers un pay to win, qu'au final ils sont en train d'exploiter les dernières failles possibles? Et de faire en sorte que les gens achètent un maximum avant de tout simplement clôturer les serveurs, de ne plus s'occuper du jeu. Je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.